Il n'en attendait peut-être pas autant. Volodymyr Zelensky a accueilli hier le ministre britannique des Affaires étrangères. Et lors de cette visite à Kiev, David Cameron a lâché une phrase cruciale pour l'Ukraine. Ça concerne évidemment les armes fournies par le Royaume-Uni. Écoutez. Nous considérons que c'est aux Ukrainiens de décider comment ils vont utiliser ces armes. Ils défendent leur pays. Ils ont été envahis illégalement par Poutine et ils doivent prendre ces mesures. Nous ne formulons pas d'exigences sur ces choses, mais soyons absolument clairs. La Russie a lancé une attaque en Ukraine et l'Ukraine a absolument le droit de riposter contre la Russie. Aurélien Duchesne, je rêve pas, c'est un sacré changement de position quand même. Ou un renouveau d'une position antérieure, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, jusqu'ici, avait été toujours le plus allant parmi tous les pays européens, et avec la Pologne, dans une quête d'ailleurs de leadership, de montrer qu'eux étaient ceux qui allaient, par exemple, envoyer des équipements avant les Français, puis aller encore plus loin que les Français, par exemple, dans l'idée de dire qu'on pouvait frapper dans le territoire russe, que c'était légitime. Mais sauf que ces derniers mois, les Britanniques s'étaient fait plus discrets, d'une part pour des raisons matérielles. Ils n'avaient plus forcément assez de matériel à envoyer, en tout cas à court terme, aux Ukrainiens. Ils n'avaient plus non plus d'annonces tonitruantes à faire. Ils avaient aussi vu que la France, désormais, était en train de changer de position. Donc, il fallait plutôt chercher, non pas, eux, à jouer en solitaire, mais à s'allier avec des pays comme la France pour montrer que l'Occident faisait toujours bloc derrière l'Ukraine et qu'il n'y avait pas une « war fatigue », comme il disait au Royaume-Uni. Et quand on regarde plus spécifiquement l'enjeu, par exemple, des missiles à longue portée, le Royaume-Uni, en réalité, était dans une position déjà assez proche quand ils ont donné leur feu vert pour livrer les Storm Shadow, puis ensuite les Scalp français. Évidemment, c'est le même missile dont on parle. Là, le fait qu'il soit plus allant, c'est sans doute aussi en coordination avec Paris, qui est là aussi de moins en moins, on va dire, timide sur l'emploi de ces armes par l'Ukraine. Donc là, on voit que les Britanniques sont dans l'idée aussi de mettre la pression sur les Américains, sur le mode « nous, les Européens, on est prêt à ce que les Ukrainiens puissent désormais frapper où ils veulent, en tout cas sur le territoire criméen, que les Américains désormais mettent suspendre leurs états d'âme à ce sujet. Patrick Gautrin, est-ce que ça peut quand même donner des idées à des voisins européens? Parce qu'on le sait, l'Ukraine jusque-là, elle se retient de le faire, justement parce que l'envoi d'armes est conditionné à cette non-utilisation sur le sol russe. Ah, je pense qu'effectivement, beaucoup de gens y pensent, à part nos amis allemands qui sont toujours un peu en arrière de la main, ça c'est bien connu, mais d'autres pays peuvent suivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui n'est plus dans l'Union européenne, joue encore un rôle tout à fait essentiel. Et comme ça vient d'être dit, sans doute en étroite collaboration avec Paris, parce qu'on se reconnaît entre puissances nucléaires. Donc je pense que d'autres pays peuvent y croire. Ce qu'il faut quand même, pour relativiser un peu les choses, les chiffres qu'a avancé M. Cameron, ancien Premier ministre, ne sont pas gigantesques, si on se réfère à ce qui a été voté récemment aux États-Unis. Mais c'est normal, c'est une autre grandeur, mais c'est à peu près 3,5 milliards d'euros. Ce qui est intéressant parce que c'est à la fois sur des missiles de défense, des batteries et un certain nombre de bombes à guidage précis. Donc c'est une collaboration, une proposition de coopération tout à fait intéressante. Et ce qui est intéressant, et j'en termine, c'est que les Anglais également coordonnent l'assistance au plan financier et donc de matériel d'un certain nombre de pays. Alors là, c'est un peu dans tous les sens. Il y a des Scandinaves, il y a des Baltes, il y a l'Islande. Mais tous ces pays-là, les Pays-Bas, le Danemark, les Anglais jouent un rôle, bien qu'étant plus dans l'Union européenne, d'impulsion et de coordination. Donc c'est vraiment, je crois, vous avez raison de le dire tout à l'heure, une déclaration extraordinairement intéressante que d'ailleurs M. Peskov a immédiatement dénoncée. Absolument, mais le problème aussi c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu sur un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'on a cette déclaration de l'ambassadrice américaine en Ukraine. Elle dit « Depuis le début, notre position est que nous ne permettons ni n'encourageons l'utilisation de nos armes en Russie en dehors du territoire ukrainien ». Ça veut dire, en fait, Alina Bakremer, qu'on revient sur ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on disait côté américain, enfin en tout cas on laissait entendre du côté américain que finalement n'empêchait plus que les Ukrainiens se servent de ces armes sur le sol russe. Désormais, c'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas et je pense qu'il faut remettre toutes ces déclarations. On parlait du bras armé du GRU tout à l'heure, de cyberattaque. Je pense qu'il faut interpréter aussi les déclarations successives extrêmement fortes, type toujours ne pas exclure l'envoi de troupes au sol, type allez-y avec les attaques MS, on vous autorise à aller plus loin. C'est un message qu'on envoie. Ça fait partie de la réponse, parce qu'on sait que par rapport à toutes ces cyberattaques, toutes ces attaques qui ne sont pas encore une fois que cyber, il y a toute une partie de la réponse, parce que vraiment ils ont fâché tout le monde, et je veux dire, j'invite tout le monde à consulter la déclaration de l'OTAN, il y a des mots extrêmement forts, comme on dit, on hausse le ton, on hausse le ton et les missiles. Donc il y a toute une partie de la réponse qui est sous les radars et qui restera secrète. En revanche, on peut se dire qu'il y a quand même certaines déclarations extrêmement fortes qui envoie un peu balader les lignes rouges, les bords d'escalade, etc., qui font partie quand même de cette réponse. Parce que ce qui s'est passé, notamment pour les Britanniques, c'est que le ministre de la Défense a été dans un avion au-dessus de l'Europe du Nord ces derniers jours, et l'avion a été la cible de brouillage de GPS de la part de ce groupe. Donc c'est quand même... les Russes ont attaqué d'une façon assez dangereuse et importante le ministre britannique de la Défense. Je ne sais pas si on se rend compte de tout ça. Donc, il y a une partie de la réponse qui sera secrète et qui ne sera pas dite et qui ne sera pas publique, mais il y a une réponse quand même. Je pense qu'il faut interpréter cette déclaration dans ce contexte-là. Mais vous le disiez quand même, il y a la volonté de montrer qu'on reste ferme, notamment dans le symbole vis-à-vis des déclarations. Mais encore une fois, si on fait une déclaration et qu'on se rétracte une semaine après, pardon. Tentative de décryptage. ni permettre, ni encourager. À aucun moment, il n'est dit interdire. Absolument. On est dans, me semble-t-il, un glissement progressif, non pas vers le plaisir, mais vers le nihil obstat, la formule latine, rien ne s'oppose à. On regarde ailleurs. Bon. Et d'ailleurs, les Britanniques sont sur la même ligne quand ils disent « Bon, bah, c'est aux Ukrainiens d'en décider. Ils en ont le droit, c'est à eux d'en décider. » D'ailleurs, au passage, ça reste un sujet extrêmement délicat. Petite histoire dans l'histoire, l'agence Reuters, bien connue, et britannique elle aussi, avait donc émis une dépêche sur la déclaration en question. Puis ensuite, il y a eu un message sur le thème « Écoutez, la dépêche est suspendue dans l'attente de vérification de détails. » Et 5 heures plus tard, une version éditée de la dépêche, qui d'ailleurs ne contredisait pas la version initiale, est sortie. Et évidemment, ça a été soldé par l'extrait où l'on voit donc David Cameron, bon, aussi ancien Premier ministre, rappelons-le, devant, sauf erreur de ma part, la cathédrale orthodoxe Saint-Michel de Kiev, confirmer ses propos. Donc c'est pour dire simplement que ça reste un sujet délicat. Et tout dernier point, par rapport justement à l'engagement britannique, ça intervient une semaine après que Rishi Sunak, l'actuel Premier ministre, ait annoncé une enveloppe supplémentaire de près de 600 millions d'euros, 584 millions de livres sterling, 500 millions de livres sterling. 600 millions d'euros, voilà. C'est ça. Et pour un engagement global, effectivement, annuel de 3 milliards et demi. Mais dans l'interview fleuve qu'Emmanuel Macron a accordé à The Economist, on reste outre-Manche, il y a un passage qui a été moins commenté que d'autres, où il évoque la nécessité d'un cadre élargi. Il dit qu'il ne s'agit pas de balayer l'OTAN, mais d'élargir le cadre de sécurité européen. Bon, il essaie de remettre sur le tapis sa communauté politique européenne, etc. Et il cite explicitement le Royaume-Uni, la Norvège et même les Balkans. Donc, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la saine émulation, avec maintenant, effectivement, une nécessité de coordination peut-être plus affinée de tout ça. Vous parliez de l'aide militaire annuelle de 3 milliards de livres sterling. Écoutez justement ce que disait David Cameron à ce sujet. Je pense que le programme que nous avons annoncé était important, non seulement parce qu'il s'agissait du plus grand programme de dons d'armes que nous ayons réalisé jusqu'à présent, mais aussi parce qu'il stipulait que ces 3 milliards de livres sterling n'étaient pas destinés uniquement à cette année, mais aussi à l'année prochaine, l'année suivante, et autant d'années que nécessaire. Tout comme nous avons été les premiers à fournir des armes, à assurer la formation, à conclure l'accord de sécurité, nous avons été les premiers à mettre en place ce programme pluriannuel, car je pense que nous pouvons l'utiliser non seulement pour vous aider, mais aussi pour dire à d'autres pays, voici le futur programme pluriannuel qui montrera à Poutine que nous ne nous laisserons pas faire et que nous vous soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Je tenais à le dire. Patrick Gautrin, on a bien entendu, on a été les premiers. Là, on se vante un peu du côté de Londres et c'est très bien. Et encore une fois, on ne peut que se réjouir du côté de l'Ukraine qu'on ait encore une fois un dirigeant européen, en tout cas un représentant européen, qui, comme ça, vienne annoncer qu'on va donner de l'argent, qu'on va continuer à soutenir et qu'on autorise même à frapper le sol russe. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de
petite bataille de leadership avec Emmanuel Macron qu'on a beaucoup entendu sur ce terrain ces dernières semaines, voire ces derniers mois, justement avec des propositions très fortes. Proposition forte, proposition forte et demie. C'est-à-dire que là, on a vraiment, j'allais dire, une surenchère de la part de David Cameron qui dit, bah ok, vous pensez aux troupes, nous on dit carrément qu'on peut envoyer des frappes directement sur le sol russe. Moi, bon, en tant qu'ancien diplomate, je serais diplomatique. Soyez franc quand même. Je verrais plus la complémentarité dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission que l'affrontement. Les relations franco-britanniques sont plutôt bonnes, quand on sait ce qu'elles ont pu être à tel ou tel moment. Là, elles sont plutôt bonnes. Et M. Macron y a occupé le devant de la scène ces derniers temps avec le thème des troupes qui a été réévoqué hier et réfuté de façon violente par M. Peskov. Monsieur Peskov, on a autant à dire à propos des Britanniques. Moi, je vois plutôt un complément entre deux pays, entre guillemets, nucléaires, qui ont vis-à-vis de l'Ukraine la même sympathie et qui, j'en termine, signent des accords globaux de coopération à long terme. Les Français l'ont fait avec l'Ukraine et les Anglais, avec la visite de Cameron, ont annoncé dans toute une série de domaines, politique, sécurité, culturel, économique, des accords de partenariat. Donc moi je vois pas vraiment un affrontement. Ça agace peut-être certains, mais... Une collaboration plutôt qu'une concurrence. Oui. C'est effectivement très diplomatique, Aurélien Duchesne. Comme on disait à la bataille de Fontenoy, comme ça je casse enfin mon problème, j'ai longtemps. Messieurs les Anglais tiraient les premiers. C'est vrai qu'il y a un changement de logique, on peut parler de coopétition, mélange coopération et compétition. Parce qu'il y a deux ans, on était clairement dans une vraie bataille de leadership pour des objectifs opposés. La France, bon, c'était pour le coup tirer des balles dans le pied dans sa stratégie d'autonomie stratégique européenne, parce que nous étions trop en retrait d'une part de l'aide à l'Ukraine et d'autre part nous avions nos déclarations sur lesquelles nous avons nous-mêmes rétropédalé sur l'idée qu'il fallait ne pas humilier la Russie qui elle-même écrasait sous l'Ukraine sous les bombes. D'autre côté, le Royaume-Uni était dans une logique très claire de cavalier seul. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni cherche à reprendre pied d'une manière ou d'une autre en Europe. Ils ne sont plus évidemment dans l'Union européenne. Ils avaient même évoqué à l'époque 2022, ils ont eu trois premiers ministres différents, mais le premier d'entre eux, Boris Johnson, parlait d'une forme de Commonwealth européen, c'est-à-dire de coopération de défense à la carte, extérieure à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN, où le Royaume-Uni reprendrait pied en tant que leader européen d'une défense européenne. Emmanuel Macron a bien compris qu'effectivement, il fallait s'associer avec le Royaume-Uni dans des projets européens qui sortent de l'OTAN, mais aussi de l'Union européenne. Et enfin, les Britanniques font un pas vers nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que de l'autre côté, l'Europe de la défense, cette espèce de soi-disant projet français, commence finalement à rassembler un peu tout le monde. Et que la meilleure manière de, là encore, c'était Thomas Jefferson cette fois, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Voilà. Les Britanniques préfèrent en être que de vouloir faire leur propre splendide isolement. Ça se dit en anglais, ça. Sauf que je me fais l'avocat du diable là-dedans, Lynn Lebec-Rémière, parce que quand même, si on regarde ce qu'a dit David Cameron sur la question d'envoi de soldats, il dit « Je ne pense pas qu'il soit juste que des soldats de l'OTAN tue des soldats russes. Je n'enverrai pas de soldats de l'OTAN en Ukraine, car je pense que cela pourrait constituer une escalade dangereuse et ce n'est pas nécessaire. » Si ça, ce n'est pas une petite opposition à Emmanuel Macron, je ne sais pas ce que c'est. Ça y ressemble. En tout cas, c'est un point de désaccord. En tout cas, c'est un point qui n'est pas assumé publiquement à ce moment-là. Parce qu'il y a quand même des jeux de public, pas public, en ce moment, assez vertigineux. Et il n'est pas exclu, d'ailleurs, sur l'interprétation possible dans les pistes en plus. Parce qu'il faut rappeler quand même que les Anglais, oui, ont été les premiers. Et oui, dans leur histoire, ils sont souvent les premiers sur ce genre de combat contre le fascisme. Voilà, de quand même rendre aux Anglais cette grâce, mais peut-être qu'aussi il y a un jeu de politique interne. David Cameron aimerait peut-être aussi ravir le cœur des Ukrainiens qui est aussi acquis à Boris Johnson, parce que Boris Johnson est resté une star, parce que oui, alors voilà, on peut lui faire plein de procès, mais enfin ça a été le premier dirigeant à venir se promener à Kiev sous les bombes extrêmement tôt, à déambuler dans les rues de Kiev avec Volodymyr Zelensky. Donc cette image, elle est culte, cette image, elle restera culte, et donc il y a peut-être aussi ça qui se joue, mais enfin, ne pas non plus sous-estimer très concrètement la solidarité et l'aide extrêmement concrète et politique concrète que les Anglais ont accordé aux Ukrainiens extrêmement rapidement. Et c'est rassurant à entendre de votre part à tous. Vincent Hugeux. Oui, non, mais s'agissant, encore une fois, des contours que
rendra le partenariat entre Kiev et ses alliés occidentaux. Je crois qu'il y a eu toute une série d'ajustements. Il y a d'abord eu un ajustement sur la nature et la réalité du péril. On sait le chemin qui a été parcouru par Emmanuel Macron en la matière. On y faisait allusion il y a un instant. Les Britanniques, eux, sont partis, je dirais, plus vite et ont sans doute mesuré, avec le sens tragique de l'histoire qui les caractérise, la dangerosité de cette agression militaire. Et maintenant, ça ne suffit pas d'ajuster, je dirais, les doctrines. Il faut aussi ajuster la dimension matérielle. Et notamment faire en sorte que ce qui parvient en Ukraine, on en parlera dans quelques instants, soit, comme disent dans leur jargon les militaires, interopérable, c'est-à-dire que tout ça puisse fonctionner, puisse s'emboîter, et là, c'est pas et pas de contradiction en termes d'usage de tel type de munitions, de tel calibre, peut-on adapter ou pas un missile air-sol sophistiqué sur un appareil de type Sukhoi, etc. Peut-on viser le sol russe, voilà. On le dit souvent, la guerre... D'ailleurs, c'est la matinée proverbe. La guerre est un art tout d'exécution. Eh bien oui, c'est bien ça. Donc ajuster les perceptions, c'est très bien. Et ensuite, il faut aussi coordonner les actions sur le plan strictement militaire.